Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance eh bien, qui n'a pas apporté grand chose puisqu'après une ouverture ici eh bien, en petite baisse, eh bien, on a continué à osciller ici autour de la zone des 6400 points sans marquer de nouveaux plus hauts significatifs mais en légère hausse par rapport à la séance d'hier. Le CAC 40 clôture donc à 6441.50 et gagne 0,39% hein, par rapport à la séance précédente. Donc on continue ici à avoir une phase de stabilisation au sein d'une tendance qui reste haussière et même on peut confirmer ici avec cette bougie, même si le mouvement, comme nous allons le voir, est relativement minime hein, puisque du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on a une rechute hein, des histogrammes du MACD, donc pas assez d'évolution pour entretenir la dynamique qui reprenait. Le RSI continue à osciller juste sous sa zone de surachat. Quant au volume, ils sont extrêmement bas, largement inférieurs à la moyenne et donc inférieurs au volume que nous avions enregistré sur les séances précédentes. Donc bon, il s'agit ici d'une phase, eh bien, on est dans de l'extrême attentisme, hein, dans l'attente des résultats des mi-termes au niveau des États-Unis. Peu de convictions. On a eu pas mal de mouvements autour du dollar hein, qui s'est affaibli cet après-midi, mais au final pas grand chose hein, au niveau des volumes, même si au niveau des futurs eh bien, il semblerait que l'on reparte à la baisse au moment où j'effectue cette analyse. Donc au niveau du palmarès, eh bien, nous avons tout de même quelques belles variations. Au niveau des plus fortes hausses, eh bien, nous avons des valeurs comme STMicroelectronics qui gagnent 4,39%. Puis juste en dessous, donc des valeurs qui gagnent entre 3 et 4%, eh bien, nous avons Capgemini, Alstom, Dassault Systèmes ou Eurofins Scientifiques. Au niveau des plus fortes baisses, alors là nous avons Renault hein, qui a donc sous-performé toute la journée, qui perd moins 3,30%. Ensuite nous avons Carrefour et Total Energy, moins 1,75%. Puis des valeurs comme Pernod Ricard ou Airbus qui perdent moins de 1%. Donc on le voit, on est tout de même un peu plus orienté à la hausse. Donc d'un point de vue technique, tout cela ne change rien. Il n'y aurait qu'une rupture ici des 6470 points qui aurait pu nous redonner ici un petit peu de dynamique. Là, on reste tout de même assez haut. On voit le point bas d'hier n'a pas été cassé. Même par rapport à la bougie d'hier, on est sur une petite reprise. On est loin ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc loin des niveaux d'invalidation de cette tendance. Alors, si la baisse de ce soir venait à s'intensifier, au moment où je vous parle, on est à 6410 points. Donc, on est toujours ici au-dessus de cette zone de support. Si toutefois, on venait à casser ici cette zone et à s'enfoncer sous la zone des 6320 points, on n'aurait toujours pas de remise en cause. Hein. Pour vraiment invalider donc la poursuite de ce mouvement haussier, il faudrait ici combler le gap que nous avons ici, donc venir au contact de la zone des 6240 points, puis valider une cassure ici de ce point bas, donc le dernier point bas justement de cette phase de consolidation que nous avions eu ici sur ces 2-3 jours. Eh bien, il faudrait venir casser ici ce point bas qui se situe à 6191 points. Donc on en est relativement loin. Donc pour l'instant, je dirais que la météo est au beau fixe. On attend une poursuite du mouvement ici au-delà des 6470 points qui viendrait valider donc la poursuite de ce mouvement, auquel cas nous aurions ici des objectifs qui se situent à 6525 pardon, puis 6590 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, eh bien, les statistiques changent un petit peu. Hier, on avait une neutralité avec un petit risque baissier qui pourrait survenir la semaine prochaine. Là, on est toujours sur une neutralité, mais avec un risque qui a changé de sens. On a d'ailleurs plus de convictions sur cette statistique qui est nourrie de plus d'occurrences, puisqu'on pourrait avoir une orientation haussière qui pourrait apparaître dès le début de la semaine prochaine. Mais voilà, pour cette semaine, c'est toujours relativement neutre avec un petit biais haussier juste qui pourrait se développer, mais par rapport à ce que nous avons, eh bien, la conviction n'est pas très très forte. Hein. Donc neutre jusqu'à la fin de la semaine, puis avec une petite hausse qui pourrait apparaître la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques.
à partir de 10h30 et 11h30 sur BFM Business, toujours sur le site boursicoté.com.